Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue sur GamerZB.fr. Salut Désir. Salut Dayton. Aujourd'hui on se retrouve pour encore un classique. Et quel classique? Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, le premier du nom. Un jeu qui s'est vendu par palette entière à l'époque. On est sur Super NES. Super Nintendo, 1996 je crois. Je crois qu'on va le savoir tout de suite. Non, bon. Que ça apparaît. C'est pas grave. Si, ça va être là. 94, voilà. On est trop vieux. Oh putain, on est trop vieux pour ces conneries. Monde de merde. Hein, ou tout player? Bah, tout player, hein. Alors, attends, la deuxième manette, là, voilà. Merci. Donc, c'était aussi. Ça, c'était une bonne. C'était un bon. Une bonne trouvaille. Une bonne trouvaille. Les joues à deux. Tu peux intervertir pendant que tu joues. Bon là, pour l'instant, il est tout seul. Dayton joue tout seul. Hop, alors la petite vie, pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant vous le savez, il suffit de revenir. Et il me semble que dans le nouveau Donkey Kong qu'ils ont sorti sur Wii, c'est la même chose. Si tu retournes dans ta cabane au tout début du jeu, tu trouves une vie. C'est ça, c'est exactement ça, parce que moi je me le suis fait et c'est ça. Ouais, là, moi je suis là-dedans, là, pour l'instant, dans le... Et voilà. Alors ce jeu avait fait sensation à l'époque. Voilà, là tu vas prendre la manette, c'est à toi. Non? Si, mais j'attends de pouvoir avoir le contrôle. Eh bien. C'est peut-être parce que t'as pas la manette 2. J'ai pas la manette 2. Non. Voilà. T'as une manette non connectée. C'est ça, donc... Et pourquoi je peux pas bouger? Bah parce que c'est moi. Bon, bah écoute, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? J'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça fonctionnait très bien. Bon bah là, bon bah, vous voyez, deux joueurs, bon, deux Dayton en fait. Moi je me suis bourré, j'ai pas choisi le bon mode. Bon, normalement si, il me semblait qu'avec deux manettes, pour moi à l'époque, ça marchait comme ça. Hein. Non mais c'est sûr que ça fonctionne, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. D'accord. J'ai dû peut-être... Alors ça c'est pas mal sur le Rhino là. Alors ce jeu avait fait sensation, pourquoi? Pour ses graphismes. Qui avait été développé sur des stations Silicon Graphics avant d'être réintégré en 2D. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce d'aspect 3D assez impressionnant pour l'époque. Ouais, non, ça en jette. Là, on peut dire que le jeu, il en jette. Or, donc, le but est simple, comme tout jeu de plateforme, d'arriver au bout. D'arriver au bout, mais ce qui était sympa dans ce jeu à l'époque, c'est que tu peux aller jusqu'à 101% de jeu complété. Si tu ramasses toutes les bananes, tous les bonus et tout, et dans ce jeu, il y a énormément de passages secrets et de choses à trouver. De partout. Là, le passage secret qu'on a pris avec le rhinocéros, par exemple. Ah non, c'est chacun son tour. Tu crois? Je me suis trompé de mode, ouais. D'accord. Ah oui, effectivement, là, ma manette fonctionne. Voilà, tu vois, là, c'est chacun son tour. Mais moi, je suis obligé de refaire le... Voilà, ouais, non, je me suis trompé de mode. Ouais, bah, c'est pas cool, ça, en fait. Non, c'est pas cool du tout. Bon, de toute façon, c'est pas le problème, voilà. Donc, ce jeu, ouais, non. Vous voyez, franchement, sincèrement, pour ceux qui ont fait la version Wii, comme moi, je me suis retrouvé direct. Mais sincèrement, même si sur Wii, bah voilà, c'est... Il est beau, mais... Mais il y a quand même un charme dans cette version quand même Super Nintendo. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont préféré la deuxième version de Donkey Kong Country, le Diddy Kong, je crois qu'il s'appelle, qui disent qu'il est meilleur que le 1, mais moi personnellement j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ce premier volet. Il est tout simplement énorme, j'arrive même plus à y jouer. Je peux pas monter là pour prendre le... Non, c'est fini. C'est pas grave. Bon bah le but c'est un peu d'avancer, donc je vais pas me... C'est un peu d'avancer, c'est pour ça que t'avances pas. Mais comment on prend les trucs là, voilà. Donc là j'arrive pas trop à parler, donc Dayton, si vous pouvez un peu nous parler du jeu. Bah, on revoit un stage que je viens juste de faire. Donc oui, ce jeu, je disais, donc énormément de choses à débloquer. Il y avait aussi l'utilisation des animaux, alors là t'as le rhinocéros. Ouais, t'avais l'autruche aussi, non? L'autruche, l'espadon. Ouais. Et la grenouille, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Qui donne, alors dans les stages, te donne des propriétés comme là le rhino, mais tu as aussi, quand tu chopes des icônes en or à l'effigie du... Je joue trop bien, moi, en fait. C'est énorme. Quand tu joues... Ah, c'est encore à toi. Ah non, c'est à moi. Donc, quand tu chopes trois icônes en or à l'effigie du... À l'effigie du... Ah, je vais pas le dire, de l'animal... Tu débloques un stage bonus.
où tu vas récupérer d'autres bananes. Ouais. Et qui te permettent d'arriver au fameux 101% à la fin du jeu. Mais bon, faut vraiment tout prendre, hein. C'est pour avoir 101%, c'est énorme. Hein. Ouais. Alors là, pareil, je sais qu'il y a un passage secret dans le coin, mais je sais plus du tout où est-ce qu'il est. Ah oui, ouais. Mais c'était peut-être avec la dynamite, non? Oui, non, c'était ça, mais je sais plus où il est. Enfin, vous pouvez vous rendre compte là que, enfin, pour l'époque, on est en 94, hein. On l'a dit au début. C'était pas encore la fin de vie de la Super NES, mais bon, ça fait partie de ces jeux qui marqueront le après, à partir de là, le déclin. Il y a eu les autres Donkey Kong qui étaient magnifiques. Ben là, il y avait un passage secret en bas, ouais, qui était magnifique, mais qui reprenait plus ou moins exactement la même structure au niveau graphique, je veux dire. Même si... Ah bah ouais, quel nul. Même si... Quel naze. Je sais même plus ce que je voulais dire. Tu parlais de moteur graphique. Tout à fait, si... oui, c'est le même moteur graphique. Les niveaux étaient complètement différents, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les niveaux étaient complètement différents dans les autres... dans les zones Donkey Kong, hein. Mais la variété aussi des décors, voilà. Alors là, c'est les fameux animaux en or que je parlais. Là, tu trouves encore une autruche en or et tu auras un bonus stage avec l'autruche. Le graphisme était attachant. Ouais. Le graphisme était très attachant. Et ce qui était bien, c'est qu'effectivement, tu as ce système de deux joueurs. Alors là, c'est pas le mode qu'on voulait, mais quand tu joues à deux, en fait, tu peux switcher de l'un à l'autre et c'est le deuxième manette qui prend le relais à tout moment. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'était sympa. Le jeu avait une durée de vie quand même assez conséquente. Oui, il était assez dur aussi, hein. Bah, pas tant que ça en réalité. Oh, il y avait deux passages assez... Le passage dans la mine, dans le chariot, était quand même assez chaud. Ouais, mais c'est un des passages, c'est super fun. Ouais, il était quand même super fun, effectivement. Donc là, c'est à qui? C'est à toi, c'est à moi? Non, c'est à toi, Dayton. Oui. Tu commences pas au début, tu reprends. Voilà. Et je sais plus où est-ce qu'il est le passage. Est-ce qu'il est là? Mais je crois pas, je crois qu'il était derrière, mais c'est pas grave. Enfin, c'est fa... Ce qui était vraiment bien dans le jeu, c'est que t'alternais avec différents styles un peu de gameplay. C'était varié. Oh, avec, non, avec, c'est pas vrai, mais quel nul. Avec l'utilisation des animaux, avec les utilisations là des lianes, c'était vraiment différent. Tu t'ennuyais pas? Non, c'est vrai, tu t'ennuyais jamais, c'était ça qui était bien. Bah, c'est la patte Nintendo des... Bah non, là c'est Rare, ouais. C'était Rare Software à l'époque. Mais tous ces grands jeux, mine de rien, Rare a vraiment fait des titres excellents pour le compte de Nintendo. GoldenEye, c'est Rare. Ouais, c'est Rare. Sur 64. Rare Software. Et je sais pas, je suis pas encore plus nul que Dayton. Je vois qu'on joue mais extrêmement bien aujourd'hui. On est à fond. On est vraiment à fond. On n'est pas passé le deuxième stage, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, on est à 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu et on n'a pas passé le deuxième stage. Bon, voilà. Bon. Je laisse tomber cette histoire de passage secret qui me débrise. Je pense que, ouais, vaut mieux essayer de passer le stage. Parce que sinon, ça va. Sinon, on va rien montrer du tout. Bah déjà, si, je suis nul. Non, mais attends, ce jeu, je l'ai fini à 101%. Y a pas de raison qu'aujourd'hui. Y a pas de raison qu'aujourd'hui ça change. Enfin, quoique tu me diras. 94, ça nous ramène 17 ans en arrière quasiment. Oula, j'ai failli. Bon, on va pas tenter le G. Alors, quand tu ramasses toutes les lettres de Kong, tu gagnes une vie. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de possibilités pour gagner des vies. Le chat confirme. Le chat confirme. Oui, bon, bah ça va maintenant, on a compris. Ah, ça fait deux fois que je perds au même endroit. Non, mais c'est le... Hey. C'est le stress, non, c'est un peu... C'est plus que le stress. Non, c'est vraiment, je suis... Non, mais c'est là, l'émotion. Là, c'est abusé. Non, mais aussi bien toi que moi, c'est abusé. D'ailleurs, je crois même que, bon... On est bientôt rendu à 10 minutes et je pense qu'on va pas aller très très loin parce que...
On va voir un peu ce stage, si Dayton arrive à nous faire un peu vibrer. Mais... Ce qui est dommage, c'est que je vous conseille vraiment ce jeu. Hein. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Même si là, on s'en rend pas trop compte vu notre niveau. Là, on s'en rend pas trop compte parce qu'on vous a pas montré grand-chose. Et que... Ah, bah tenez, regardez. Ah, on vous a pas montré grand-chose. Ça, c'est le cas typique. En même temps, on n'est pas passé devant la caméra. Voilà, mais là, c'est le cas typique d'un truc caché. J'étais en bas. On le voit quasiment pas, le tonneau là-haut. Normalement, il faut que j'aille à droite pour continuer. Alors que là, hop là. Et voilà. Stage bonus. Stage bonus. Énorme. Ça, voilà, ça, l'utilisation des tonneaux, ça fait partie des trucs énormes dans ce jeu. Mais t'as des stages où il faut vraiment bien les tirer au bon moment. Mais et c'est tout, surtout que et... si tu veux les 101%, t'es obligé de les, les trouver tous ces stages-là. Ah, mais oui, c'est ça. Et là, je vous raconte même pas dans les deux premiers niveaux tous les stages cachés dans la roche qu'on a loupés. Hein. Ah oui, mais non, on n'a pas. On n'a pas cherché, bah déjà on a eu du mal à les terminer, alors si en plus on devait montrer chercher les passages secrets, on serait pas là. Surtout que là, à l'époque, j'étais capable de dire exactement où ils étaient tous. Ouais, mais à l'époque, regarde, ça fait super longtemps que... Attends, ça va, on n'est pas non plus des papilles. Voilà, là c'est, ça fait partie des autres symboles en or, là, c'était le dauphin. C'était le dauphin, c'est Espadon, oui, moi j'appelle ça un dauphin, Espadon, comme tu veux. Ah, les musiques étaient extraordinaires. Oui, vous les entendez sûrement pas, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire, le jeu. Non, mais attends, juste 30 secondes. L'ambiance est magnifique dans la cave. T'as l'écho. Bon. L'écho des gouttes et tout qui tombe. Enfin, c'est... Qu'est-ce que tu penses, Dayton, de terminer sur au moins ce bon passage? Parce que moi, si je m'y remets... Ouais, on n'est pas parti, puis voilà, aux trois stages, alors qu'en 10 minutes, on aurait dû vous montrer quasiment le premier boss. Voilà, alors que non. Alors que non, du tout, parce qu'on est... On est des daubes. On est des daubes, ouais, là, faut le dire. Autant le dire tout de suite. Bon, à bientôt. À bientôt, puis bonne fin de semaine. Bon week-end à vous. Ouais, bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Bon samedi, bon dimanche, amusez-vous bien. Voilà. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Salut.